Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du let's play de Lord of the Fallen sur PC, l'épisode 2. Je tiens déjà à m'excuser pour la première vidéo où vous ne m'entendiez pas. Voilà. Donc on va tout de suite continuer. Donc j'espère que la qualité de la vidéo sera meilleure que d'habitude. Normalement j'ai fait quelques petits changements qui devraient la rendre meilleure. J'ai pas encore testé cette qualité, donc on va tout de suite voir ce que ça va donner. Donc j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme presque moi oui. Là, j'ai déjà fait, mais le jeu a craché au bout d'un moment, donc je ne sais pas si ça va recracher, j'espère pas. Donc j'espère que la qualité est vraiment meilleure comme ça. Je n'ai pas encore testé, mais... j'espère sincèrement. Ah, il me grignote pas, je suis pas mort. Attendez, j'essaie de voir les combos. J'ai vu un combo. J'ai failli faire un combo tout à l'heure, mais j'ai oublié comment. Les trois hommes appelés juges se séparèrent définitivement. Hormis leur objectif, ils n'avaient strictement rien en commun. Trois statues leur furent dédiées sur la place des juges, représentant les voies distinctes qu'ils avaient suivies. Ces statues recèlent un secret qui leur tient office de cœur. Mais la pierre est son gardien. Seul l'éclat des héros peut faire battre ce cœur. Et seule une force surnaturelle peut l'en arracher. Donc là vous voyez, je suis passé en deux mains. En arme à deux mains. Enfin, une arme dans chaque main plutôt. C'est plus logique de dire ça. Donc j'espère que ça ne lag pas trop. Je vois que j'ai quelques baisses de framerate sur mon. Sur le mien, mais bon, moi c'est du 60 fps, vous voyez que du 30 fps. Qui était au juste les lords? Ils maniaient un pouvoir défiant notre entendement. Ils se battaient avec hargne et suivaient aveuglément leurs dieux. Quiconque tentait de leur parler, de les raisonner, courait à l'échec. Les lords n'étaient pas venus discuter. Ils n'avaient qu'un seul but, conduire l'armée Rogar contre les humains. D'accord. Donc voici l'armure intermédiaire, mais bon, on est en léger, donc on reste en léger. Donc nous allons sortir de la zone après ce petit temps de chargement. Donc j'espère que tout ira bien, qu'il n'y aura plus de crash, etc. Que la qualité sera bonne, etc. Là normalement vous m'entendez. Normalement vous m'entendez. J'espère. Donc la première vidéo était un petit peu longue, donc on va faire des petites vidéos de 20 à 30 minutes. J'espère franchement que vous trouvez ça beau. On va sauvegarder. Progression, j'ai combien? J'ai 527, c'est pas assez. J'aurais peut-être pas dû sauvegarder. C'est pas grave. J'ai craché il y a pas loin. Il y a pas long. Enfin. Pas loin d'ici. Ouais, le bug. Alors, deux ennemis simples, d'accord. Je ne l'avais pas vu. On prend ses distances. Soigner un peu. Oula, c'est. Faut que je fasse attention quand même. C'est pas facile, hein, mais c'est pas aussi dur qu'un Dark Souls, mais c'est pas facile. Faut juste faire au contrôle. Et c'est bon. C'est juste se refaire au contrôle. J'espère que vous n'entendez pas mon clavier. Ce serait dommage. Attendez, on va recharger. J'ai envie de tester pour voir les combos. J
sais pas comment j'ai fait le combo de tout à l'heure. Bizarre. Attendez. Ok, bah on va y aller. C'est pas grave. Hey, aidez-moi. Par pitié, ouvrez la porte. Ouais, il est là-bas, d'accord. Donc faisons le petit tour de la zone. Oh! Un nouveau type d'ennemi. Qui sont assez simples ceux-là. Ah d'accord. Ok, j'ai compris. Ok, d'accord. C'est pas dur en fait, c'est simple. Ok. Ça c'est la petite version du boss qu'on avait. Ah, c'est la première fois que j'arrive à le backstab. Je comprends pas vraiment le principe des backstabs dans ce jeu. Une hache lourde. On va aller se sauver. Donc j'ai quelques petits lags, je passe de 60 fps à 45, mais c'est pas grave. Normalement vous ne verrez aucune différence. J'espère franchement que c'est beau, enfin que ça peut, c'est pas trop dur à regarder, que c'est pas très très moche. J'espère que c'est visible, on va dire. Là, on active les deux leviers, enfin le levier de chaque côté, donc les deux leviers en tout. Et on va tout de suite descendre et passer par ici. On va lui parler. Vous, aidez-moi, par pitié. Est-il arrivé à votre main? J'ai été mordu. Le venin me brûle comme le toucher d'Adir. Ouvrez la plaie pour extraire le poison. Trop tard? Il s'est déjà propagé. Il n'y a qu'un moyen d'arrêter le venin. Séparer du corps le membre empoisonné. Vous voulez que je me coupe le bras? Mais vous délirez! Alors vous n'allez pas tarder à voir les juges. Je ne peux pas. Je refuse. À vous de voir. Très bien. Ça vous regarde. Prends ma main. Merci. Je vous dois la vie, étranger. Un instant, vous ne faites pas partie des moines. Qui êtes-vous avec ces stigmates? Un cadeau de la cour, un rappel de mes péchés. Je vous en prie, baissez votre hache. Il vous faut des soins, vous ne tiendrez pas longtemps dans cet état. Ma foi, le moine guérisseur, c'est moi. Et non, l'ironie de la situation ne m'échappe pas. Vous devez avoir des provisions. Oui, au laboratoire. Mais l'endroit grouille de monstrueux regards. C'est sans espoir. Je n'y parviendrai jamais dans cet état. Tenez, prenez ceci. Merci. Si nous survivons tous les deux jusqu'à la citadelle de Clave, j'espère vous y revoir. D'accord. Donc on va faire un peu le tour de des zones. Oh, un nouveau. Ou alors c'est un homme, c'est un même. Vous pouvez désormais changer votre objet en appuyant sur Y, d'accord. Me revoici, excusez-moi pour ce soudain crash, j'espère que ça ne se reproduira pas, même si j'en doute. Donc j'ai battu l'ennemi, vu que j'ai dû refaire tout. Donc ça c'est bon. Si jamais ça crash, je baisserai encore un peu la qualité, un tout petit peu, mais... Voilà. Sont des plus mystérieuses.
Ouais, mais attention, les runes scellés peuvent avoir aussi. Vous pouvez fabriquer des armes. Ouais, d'accord. Oh! Dangereux, ces ennemis. Très dangereux. Qu'y a-t-il ici? Alors, ouvrons ce coffre. Bien. Bien, de l'équipement léger. Qui a l'air bien mieux que la mienne, sauf qu'elle est un peu plus lourde, c'est pas grave. Et une arme légère aussi qui est... Oui, qui est beaucoup, beaucoup mieux. Qui est un peu plus lourde, c'est pas grave. Ça c'est l'intermédiaire, donc là merci. Ça c'est l'écu, mais je peux pas le porter. Il faut que j'ai 14. Une hache de boucher, 9 de force, d'accord. Ça c'est normalement s'équiper, d'accord. Donc on va aller voir en bas. Premier lieu. On va aller voir en haut finalement. Donc. Passons par ici. Normalement, on devrait se retrouver en haut, c'est bien ce que je pensais. On va déjà aller voir par là-bas ce qui peut y aller, ce qui peut se trouver plutôt. Donc normalement, si je me trompe pas, j'ai appris comment comment faire le combo. C'est simple en fait, très simple. Puis juste d'appuyer sur les touches au bon moment. Vous verrez. Ouvrons ce coffre. C'est du lourd, d'accord. On va quand même aller voir là-bas, même si je suis pratiquement sûr que c'est par là. Donc j'ai trouvé un moyen aussi simple pour les battre. Normalement, je réussis le combo, ça leur fait assez de dégâts pour les étourdir en fait. Et là, je réussis pas, malheureusement, je ne comprends pas pourquoi. C'est bizarre. Ouais, c'est par ici la suite. On y va juste après. On va déjà s'occuper de la zone en bas. Si ce n'est pas un autre passage pour aller à la suite, bien entendu. Alors. Non, ça m'en a pas l'air en fait. Ok, donc un petit ennemi. Un nouvel ennemi même. Ah d'accord, un archer. Ok. Et me revoici encore une fois. Donc, je me suis renseigné à propos des crashs. Et ça ne vient pas de mon PC, ça vient du jeu. Qui d'un coup prend énormément de place dans la RAM. Je ne comprends pas pourquoi. Donc là, normalement, tout devrait aller. Tout de suite, on va tout de suite continuer. Donc vraiment désolé pour ces crashs. Mais normalement, là, il devrait plus en avoir. Alors, donc on va continuer tout de suite. Donc c'est bon, je me rappelle comment... comment faire le combo. Je me rappelle... Viens.
flûte, c'était pas prévu. C'était pas prévu. Oh oh. Flûte. Dites pas qu'ils sont revenus. Ils sont revenus. Ça va être marrant. Normalement j'ai mis le nouvel équipement. Ouais. Donc j'ai dû recommencer aussi, c'est pour ça. Voilà. Pour faire le combo, c'est vraiment pas difficile en fait. Ça par exemple, ça veut dire que je viens de perdre tout mon XP. Ah là 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 là. Dommage, c'est pas grave, on va y aller prudemment. Voilà, donc on commence prudemment. Bon, pour cette perte de temps, je pense qu'on va faire durer un peu la vidéo à 30 minutes. Ouais. Vraiment se la jouer prudent. Attendez, je reviens. Me revoici, toujours plus de coupures, toujours plus d'imprévus. Bon, c'est pas grave, on va tout de suite continuer. J'avais oublié que j'étais sur lui. Faut juste attendre entre les actions pour pouvoir le taper correctement. Normalement les portes sont ouvertes. Passer de ce côté là. Deux ennemis. Qui sont morts. On va détruire un peu tout ça. Ah, j'espère que ça ne m'a pas craché parce que j'ai vu une baisse de FPS là. Je n'espère pas. Aïe. Voilà, le petit combo qui tue qui one shot. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le terme. Ah non, non, tu ne cracheras pas. Pour ceux qui ne connaissent pas le terme one shot, c'est tuer en un coup. Ah d'accord, il est là-bas, c'est vrai. Prochaine salle. Ton épée. Ah, est-ce que je vais pouvoir dropper son épée? C'est ça. Alors, l'épée, c'est une épée courte hein, qui fout 14 de vitesse. D'accord, non merci. Prends les dagues. Un petit parchemin. 9e nuit de garde. Comment les regards ont-ils pu pénétrer dans l'enceinte sacrée de Clave? Ils sont apparus comme par magie. Le cimetière en regorge. Je dois alerter les autres. Alors, prenons ça. Là. Et ça. On prend. Avec une petite rune. Intermédiaire, intermédiaire, éclat, un attribut. C'est du lourd, du lourd, du lourd. Je cherche quelque chose qui serait pas trop lourd. Ça, ça m'a l'air bien. Ouais. On fait un petit mélange de tout, hein.
Ça, ce sera meilleur en dégâts, mais c'est pas assez de force. D'accord. J'ai bien envie de voir là-haut ce qu'il y a déjà, si c'est pour voir si ça mène pas au même endroit. Ça, on a tout l'air. Voilà. Bon, c'est un petit peu à laguer. J'anticipe le crash. Oh. C'est une arme exceptionnelle, la journée lui permet de tirer des frais. Comment je tire? Comment je tire? Alors ça c'est un sort, c'est mon sort. Je ne vois pas comment tirer, c'est pas grave. On fera ça après. Donc je sais qu'il y a une porte ici, donc on va aller voir ce qu'il y a derrière. Elle est verrouillée, d'accord. J'aurais peut-être dû commencer par faire ça, mais bon. Sort disponible, bien sûr. Passons par ici. Est-ce que je peux ouvrir cette salle? C'est bon. Où est-ce que ça ramène cette zone? Ah d'accord, c'est ici. Ok. Ça permet d'ouvrir un petit passage, on va dire. Le pantalon ne suffisait pas. Les recherches sont terminées. Je puis affirmer que ce gantelet ne sert qu'un usage. Mais il le fait avec un certain brio. Il dévore même un lion affamé et la recrache comme le feu du dragon. Son possesseur peut s'en servir comme une arme répugnante, mais son esprit doit être impur. Il faut une âme disloquée pour en extraire tout le potentiel. Ok, donc ça... Comment je peux le tuer? Comment? Je ne vois pas. C'est pas grave. On va se soigner. Et on va courir. D'avoir quelque chose ici, on va descendre. Je ne vais pas sauvegarder tout de suite. Un parchemin. Grand Antanas, j'ai trouvé la preuve qu'il existait un Lord Regard réputé pour son armure impénétrable. Son formidable. Il me protégeait du mal. J'ai cru que je l'avais tué, mais construit en même temps que Clave. On comprend mieux alors qu'il ait eu à sa suite les disciples les plus dévoués. Alors. Une épée courte, un éclat. Excusez-moi. D'accord. Élément vivant. On va faire un petit tour de ça juste après. Oh, où est-on? Ah bah on est là. Tout se rassemble.
et en descendant. Oula, il m'a l'air dangereux cet ennemi. Très dangereux même. On va courir, je crois. On va revenir juste ici juste après avoir sauvegardé. Ça devient dangereux en fait. Où est-ce? Dites-moi. Où est quoi? Partez, ça ne vous concerne pas. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais un mort ne pourra pas vous renseigner. Ça doit être ton jour de chance, l'enfant de cœur. Quel était le problème? Ce sont des menteurs, et pire encore. Non contents d'avoir volé les trésors de ma famille, ils ont aussi dissimulé le portail. Le portail? La voie vers des lieux inaccessibles autrement. Des lieux regorgeant de secrets et de pouvoirs. C'est là que je me rendais quand les Rogars sont apparus sans crier gare. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'elle est encore là? Le grimoire d'ascendance l'affirme. Et il ne ment jamais. Ces moines des voleurs. Je les prenais plutôt pour des rats bibliothèques. Ne vous faites pas plus idiot que vous l'êtes. Les gens d'ici sont aussi corrompus qu'ailleurs. Et avec la bénédiction de sa sainteté Antanas, je parie. Des années durant, ils ont spolié les villageois. Ils croient qu'on oublie, que la vérité est aussi facile à enfouir que les corps de leurs victimes. Mais ils se trompent. Je suis au courant de leurs actes. Vous êtes dans un monastère, les femmes n'y sont pas admises. Pas plus que les criminels, et pourtant vous êtes là. Si vous voulez jouer les inquisiteurs, parlez-moi donc de votre visage constellé. Ah, votre silence en dit long. À chacun ses secrets. Je dois partir. Comme vous voulez. Alors, on va sauvegarder. Et comme petit défi de partie. Ah, j'ai pas plus de potions, d'accord. Déjà, on va prendre. On va prendre quoi? Un point de sort. Et on va la mettre dans. Ah, je peux pas, d'accord. J'ai fait un peu n'importe quoi, c'est pas grave, je l'aurai au moins. Donc on va aller le tuer, on va déjà retourner en arrière pour éliminer les ennemis. Ils réapparaissent pas, c'est bien. On va descendre pour aller éliminer ce gros bestiau. Cette vilaine bête. C'est pas moi qu'il fallait attaquer l'ami. Encore ? Sauvegarder, on viendra voir ici plus tard dans la prochaine vidéo. Ah, est-ce qu'on peut utiliser ça? Non, on remonte, on passe par ici.
On sauvegarde et a-t-on assez de points? Non, on n'a pas assez de points. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime et surtout vous abonner à la chaîne. C'était TheZdead pour HTTPanHD. Passez une bonne journée, une bonne soirée et vive les jeux vidéo!